C'est quoi votre projet ? Alors, c'est la création d'Happy, la nouvelle mascotte enfant de la chaîne de restaurant Pizza Pie. C'est en fait une part de pizza plutôt rigolote, dans un esprit graphique kawaii. Pourquoi a-t-il été mis en place ? Puisque Pizza Pie a réécrit son positionnement et que l'on devait créer du coup une mascotte qui fasse sens avec ce nouveau positionnement et cette nouvelle stratégie. On a donc imaginé une mascotte pour qu'elle devienne numéro 1 dans le cœur des enfants et que les enfants réclament Pizza Pie à leurs parents pour aller manger en famille. C'est quoi le concept ? Alors le concept d'Happy, donc déjà le nom Happy, c'est l'anagramme de Pie en référence à l'enseigne Pizza Pie. Donc c'est une part de pizza puisque la pizza est l'ADN vraiment historique de l'enseigne. Donc cette part de pizza, elle est toujours accompagnée de ses compères, les légumes qu'on appelle les petits pailles et qui représentent en fait les ingrédients avec lesquels les enfants peuvent agrémenter leur pizza personnalisée en restaurant. Quelles sont les actions mises en place ? Alors depuis leur naissance en 2018, Happy et les petits pailles ont pris vie sur différents supports de l'enseigne Pizza Pie, sur les nouveaux menus enfants, dans des livres et jeux ludopédagogiques, au sein des espaces dédiés aux enfants en restaurant, mais aussi sur le site web et les réseaux sociaux de l'enseigne. Avez-vous eu des retombées ? Alors, nos personnages aujourd'hui sont utilisés dans l'ensemble des restaurants du réseau Pizza Pie en France, dont une dizaine dans le Nord. J'ai pas de retombées chiffrées à vous donner, je sais que des enquêtes sont actuellement en cours justement pour mesurer l'impact de ces nouvelles mascottes auprès des enfants. Un dernier mot pour le jury ? Oui, on serait vraiment trop happy de remporter ce prix, donc si vous avez la paille attitude, votez pour Comme des enfants.